à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Parce que s'abonner, ça trop le cul. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Aujourd'hui, on va parler d'un boxeur que j'admire. Je suis un grand fan de lui. Et comme vous avez vu sur la miniature, c'est Mike Tyson, les amis. On va parler de lui, parce que en ce moment, on fait beaucoup parler de lui pour l'histoire du combat Mike Tyson et le gorille argenté. Ça fait fureur, ça fait le buzz. Pourtant, ça date de 1986, c'est à ses 20 ans. Alors, ça date quand même, parce qu'il a 52 ans maintenant, quoi. Alors, c'est une histoire qui date, mais tout le monde en parle. Alors, c'est une vieille histoire qui a été ressortie, quoi. Mais franchement, Mike Tyson, franchement, arrête de fumer. Hein. Le cannabis, ça ne te va pas du tout, mais pas du tout, mon ami. Arrête, hein. J'en ai la preuve, regardez. Et franchement, Mike Tyson, un gorille, tu peux pas te battre contre un éléphant aussi. Ça s'est passé dans un zoo, parce que c'était une visite privée, lui avec sa femme, l'actrice Robin Given. Désolé si je prononce mal son nom. C'était sa femme à cette époque-là. Ils faisaient une visite privée dans un zoo, et ils se sont arrêtés devant l'enclos des gorilles, quoi. Et là, il disait, Mike Tyson, qu'il avait vu un gorille argenté qui faisait la loi, qui voulait se montrer devant les autres gorilles. Et il disait sur leur visage, c'est des gros durs hein, les gorilles, mais ils ont un visage d'enfant. Et il a proposé 10 000 dollars pour au zoo pour faire un combat entre lui et le gorille argenté pour essayer de lui calmer sa joie, quoi. Mike Tyson, t'es balèze, hein, franchement. Mike Tyson, il fait 1m78. Et un gorille, ça fait entre 1m70 et 2m75. Donc imaginez. Et à cette époque-là, Mike Tyson, il devait faire dans les 80-90 kilos. Et un gorille, c'est entre 150 et 275 kilos, les amis. Franchement, et que du muscle. Hein. Bah, Mike Tyson, c'était que du muscle aussi, mais il y a une sacrée différence de poids et de taille. Et franchement, il s'aurait fait dégommer, ça aurait fini comme ça, les amis. Franchement, j'ai du respect pour toi, Mike Tyson, mais faut arrêter. Un gorille argenté en plus, l'un des plus puissants gorilles, quoi, les gorilles argentés. Alors franchement, tu t'aurais fait exploser la rondelle, quoi. Franchement, t'en as mis des KO, hein. T'es puissant, t'es rapide, à cet âge-là, à 20 ans en plus, mais à 20 ans, on est con. Il a pas dû réfléchir et il a dû fumer un bon joint, les amis. Parce que moi, pour ma part, il aurait même pas couché avec une patate. Le gorille, s'il aurait eu un coup, le gorille, il serait énervé, il aurait explosé. Franchement, pour moi, parce que j'adore les gorilles, je suis un grand fan de gorilles, j'adore leur charisme, leur corpulence, leur puissance. Déjà, c'est hyper rapide aussi, un gorille. Alors, Mike Tyson, même s'il était rapide, s'il court après, les 20 ans, t'aurais pas eu 21 ans. Hein. T'aurais déjà été mort depuis. Hein. Mais bon, heureusement que tu l'as pas fait, parce que déjà, ça a été refusé. Alors, franchement, imaginez s'ils auraient accepté. J'imagine même pas la séquence. Franchement, déjà, je pense, il aurait été mort. Et puis, le zoo, ils auraient fermé, il y aurait eu des plaintes, ça aurait été un buzz, mais infernal. Alors, heureusement que le gars qui s'occupe du zoo et tout ça a refusé. Même pour 10 000 dollars, je sais pas, mais après, c'est une grosse responsabilité d'avoir un mort sur la conscience. Alors, dites-moi en commentaire, les amis, ce que vous en pensez de cette histoire-là. Si c'est pas un peu dingue, quoi. Un boxeur contre un gorille, j'ai jamais vu. Mais en plus, à 20 ans, on est con, on pense pas à ce qu'on fait. Il voulait épater sa petite femme en plus. Mais franchement, perso, moi je l'aurais pas fait. Et en plus, il dit qu'il adore les animaux. Il a des tigres, il a les oiseaux, les pigeons et tout ça. Que c'est un grand fan des animaux. Et tu veux taper un gorille? C'est pas logique. Je sais pas, mais moi qui adore les animaux aussi, je me verrais jamais taper un animal. Surtout pour impressionner une femme, quoi. Franchement, c'est du n'importe quoi.
Mais bon, on t'excuse, Mike Tyson, tu n'avais que 20 ans. Maintenant, c'est passé. J'espère qu'à ton âge, maintenant, tu te dis que c'était des conneries. Sinon, j'espère que tu vas pas, à 52 ans, te remettre dans la tête, tu vas te battre contre un animal ou je sais pas quoi. Mais franchement, arrête, parce que ça ne te va pas. Voilà, les amis, juste une petite histoire drôle sur Mike Tyson. Une histoire, ni queue ni tête. Un gorille, les amis, franchement. Regardez, un gorille, il en est juste un là. La puissance que ça a, un gorille. Surtout les dos argentés, l'un des plus puissants gorilles, quoi. Alors voilà, les amis, vous me direz ce que vous pensez de cette histoire-là. Et vous, dites-moi qui aurait gagné, Mike Tyson? Peut-être une petite chance ou le gorille. Voilà quoi, vous me direz en commentaire. J'ai hâte de savoir vos avis. Et à la prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas le gros pouce bleu pour cette vidéo, les amis. J'espère que ça vous a plu. De vous abonner si vous n'êtes pas. Ça ne coûte rien. Vous avez juste à cliquer sur le petit bouton où c'est écrit s'abonner. Et de partager un max pour m'encourager, pour me faire connaître, les amis. Je compte sur vous. C'est très important. Et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye!